good picture, Steve. Roger all, Discovery. Avoir peur des ransomware. Après l'attaque mondiale de WannaCry, ce virus qui crypte les données de votre ordinateur et vous rançonne pour les récupérer, la fine équipe d'ORLM revient sur ce phénomène qui ne concerne pas que le PC. Alors comment se protéger? Qui se cache derrière ces attaques? Débat. Bonjour à tous et bienvenue dans Refait le Mac alias ORLM. Bienvenue à l'école 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Vous en avez l'habitude, le studio nous accueille chaque semaine. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne préféré sur Dailymotion, n'hésitez pas à vous abonner, mais également sur YouTube et sur iTunes, on a une version HD et une version audio. Et vous nous retrouvez également via notre application mobile iOS et notre application mobile Apple TV sur l'écran du salon. Beaucoup d'actualités cette semaine autour de la sécurité. Pour en commenter avec moi cette émission et pour la co-présenter, M. Gonzague d'Ambricourt de Bouche Cousue. Bonjour Gonzague. Salut Olivier. Ça va bien? Ça va et toi? Tu as travaillé tout le week-end pour essayer de réparer tous ces ordinateurs en panne? Patcher les ordinateurs de mes clients qui ont des vieilles versions de Windows. Non, donc toi tu avais prévenu tes clients qu'il fallait... Mais ils ne font pas les mises à jour. Bon, ouais, ils font jamais. Bon, on va en parler ce soir. On a chargé quelques spécialistes de la sécurité de nous rejoindre pour un petit peu muscler l'équipe de Refait le Mac ce soir. Et on commence par, en duplex depuis sa province, je ne sais pas si elle est natale d'ailleurs, Corben, qui est connu pour son blog corben.info, également spécialiste de la sécurité, cofondateur de Yes We Hack et de la Bounty Factory. Bonjour Corben, ça va bien? Bonjour, ouais, ça va, je suis à Clermont-Ferrand, enfin juste à côté. Voilà. Manuel Dom, ce sont vrais noms. Au milieu des champs, je précise. Corben, en quelques mots, corben.info, très connu. Hein, ouais, bah ça existe depuis 2004. Blog, on va dire, à tendance tech, mais je parle de plein de sujets qui me plaisent. Souvent de la sécu, beaucoup de vulgarisation, et voilà. Yes We Hack et Bounty Factory, en quelques mots. Alors, Yes We Hack, c'est la boîte, Bounty Factory, c'est le service, et en fait, c'est un service qui permet de faire du bug bounty, donc c'est-à-dire des récompenses. Enfin, le bug bounty, c'est un concept qui permet aux entreprises, en fait, de donner des récompenses aux gens qui leur remontent des failles de sécurité. Voilà, voilà, l'idée qu'elle est bonne. Voilà, ça existe, y en a d'autres, hein, mais il y a nous en Europe, et ça permet d'être proactif, enfin, pour les boîtes, d'être proactif sur leur sécu et de, en gros, d'acheter leurs propres failles avant qu'elles soient découvertes par des vilains méchants qui pourraient les exploiter. Voilà, et voir vouloir les monétiser, on va en parler ce soir. Un autre expert en sécurité avec nous, Vincent Malgui, qui est un expert en sécurité chez l'hébergeur OVH. Bonjour Vincent. Salut Olivier. Alors, un expert en sécurité, en gros, c'est quoi ton taf au sein de l'hébergeur OVH, si c'est pas indiscret? Alors, moi je suis, non pas du tout, moi je suis plus spécialement... j'ai la fonction de tester en fait tous les nouveaux services et les nouveaux produits qui sont sortis par OVH. Donc je réalise ce qu'on appelle des audits. On appelle ça aussi des pen tests. D'accord. Et en quelques mots, OVH, je ne sais pas si tu peux en parler ce soir. Est-ce qu'il y a eu une activité un petit peu particulière suite aux attaques de WannaCry la semaine dernière? Bah, pour nous, les attaques qu'il y a eu la semaine dernière, on va en parler longuement, mais ça, c'est des choses qu'on voit très régulièrement. Donc, on a toute une batterie de mesures en place qu'on a un petit peu renforcées, mais c'est des choses qu'on gère au quotidien et sur lesquelles on s'améliore en permanence. Donc, ouais, tu as gardé pas d'urgence ou pas d'affolement en tout cas. Ouais, tu as gardé la tête froide malgré un petit peu l'emballement médiatique qu'on a suivi la semaine dernière. C'est la raison pour laquelle on a choisi de dédier cette émission à l'initiative de beaucoup d'internautes qui nous ont contactés pour essayer de d'y voir un peu plus clair. Et avant de rentrer dans le cœur du sujet, on passe tout de suite aux chiffres de la semaine. Le chiffre de la semaine avec Gonzague. Alors, le chiffre de la semaine, c'était notre sondage. Est-ce que vous pensez être suffisamment protégé des ransomware sur Mac? On a eu quasiment 200 votes et 63% des gens qui pensent être suffisamment protégés versus 37% qui pensent ne pas l'être. Donc, peut-être des gens un peu plus méfiants et prudents. Ouais. Et moi, j'ai tendance à leur dire, vous avez raison de faire attention. Oui, il faut faire attention. Il n'y a pas énormément de réponses. Hein, contrairement aux autres sondages des semaines précédentes, ça montre que le sujet ne les passionne plus ou pas. Je ne sais pas, on va voir, on verra l'audience de cette émission. Quoi qu'il en soit, messieurs, le Mac, il y a toujours l'habitude de croire que le Mac est protégé. Il y a aussi des ransomware sur Mac, on aura l'occasion de parler un peu plus tard, mais c'est aussi une réalité, hein, messieurs, le ransomware sur la plateforme d'Apple.
On en a eu quelques exemples récemment, en tout cas, et oui, il n'y a aucune raison, en tout cas, qu'un système d'exploitation soit complètement immunisé contre le mécanisme du ransomware. Ouais, il y a aucun système qui est sûr à 100%, et en particulier Windows, et c'est la grande victime de l'attaque de la semaine dernière, et elle s'appelle WannaCry. WannaCry, à qui la faute ? On essaie un petit peu de rappeler les faits sur l'attaque, soi-disant mondiale, qui s'est répandue la semaine dernière. Alors, WannaCry, ça a commencé à faire du bruit en fin de semaine dernière. Là, je m'en mêle. Déjà ? On est au début d'émission. Voilà, en début de fin de semaine dernière. Ouais. Et ça a donné beaucoup de travail aux gens dans l'informatique pendant le week-end, parce que c'est le moment où tout le monde s'est mis à analyser ce qui se passait, puis aussi à se rendre compte que les machines se faisaient pirater. On parle de cyberattaque mondiale, qui est un terme qu'il faut peut-être pondérer un petit peu, parce que ce n'est pas vraiment une attaque. Il n'y a pas de cible particulière. En général, quand tu attaques quelque chose, tu pointes ton canon, ton fusil, ton arme, ton outil électronique d'attaque vers une cible. Là, il n'y a pas de cible directe, en tout cas pas connue. Tout azimut. Hein. Voilà. Puis c'est un ransomware qui est auto-répliquant. Donc c'est un truc qu'on pourra décrire un petit peu plus tout à l'heure, qui a fait beaucoup de victimes, notamment en Angleterre, en touchant la NHS, qui est tout le système des hôpitaux de Grande-Bretagne, qui s'est retrouvé en panne dans beaucoup de sites, très critiques, en plein milieu d'une opération. Si ton, les percussions un peu dramatiques. Ta machine ne fonctionne plus dans les usines Renault, je crois qu'il y a au moins 4 usines qui ont été touchées, chez Telefonica en Espagne, enfin, le nombre de sociétés affectées. Chez Bouche-Cousu ? Énorme, non, pas chez Bouche-Cousu. Le nombre de sociétés affectées est énorme et c'est assez effrayant que des sociétés aussi grosses qui seraient censées être organisées et bien protégées se soient fait avoir comme ça. On va revenir sur un petit peu comment des entreprises aussi importantes peuvent être victimes de ce type de ransomware. Mais justement, un petit mot sur le ransomware pour ceux qui ne connaîtraient pas ce phénomène. Corben, en quelques mots, qu'est-ce que un ransomware ? Ah ben c'est un virus, un malware qui s'installe. Alors il y a différents vecteurs, hein, mais la plupart du temps c'est du phishing, hein, c'est-à-dire que c'est les gens qui cliquent sur un lien, qui téléchargent un fichier et qui le lancent, qui l'ouvrent, et c'est un logiciel, un virus qui s'installe sur la machine, qui va chiffrer beaucoup de choses, donc vos documents, vos photos, un peu tout ce qu'il va trouver sous la main. Et puis, ça va ensuite vous réclamer une rançon pour déchiffrer ces documents. Donc voilà, à payer souvent en bitcoin, quasiment tout le temps en bitcoin. Et la monnaie numérique. Hein. C'est ça, ouais. Et le problème avec ce genre de choses, c'est que justement, pour les boîtes, c'est, même pour les particuliers, c'est très problématique parce qu'ils n'ont plus accès à leurs fichiers, s'ils n'ont pas pris le temps de faire des sauvegardes, s'ils n'ont pas été sérieux là-dessus. Je ne vais pas dire souvent, parce que ce qui est recommandé, c'est de ne pas payer. Mais bon, les gens payent parce qu'ils sont désespérés de ne plus avoir leurs documents, leurs fichiers, leur comptabilité, enfin tout ce que tu veux. Surtout que la somme est relativement, entre guillemets, raisonnable. Dans le cas de WannaCry, la somme demandée était de combien, Vincent ? Corben ? Oui, entre 300 et 600 dollars. Ouais, en fonction de. Mais on a vu des ransomware qui demandaient beaucoup plus. Ouais. On a même vu des ransomware dont la somme augmentait au fil du temps. Ouais, enfin, il y a beaucoup de marketing et de travail sur le business model, en tout cas des ransomware aujourd'hui. Il y en a même dont le tarif change en fonction du pays où tu es. C'est-à-dire que si tu es dans un pays du tiers-monde, tu ne vas pas payer cher, mais si tu es dans un pays occidental riche, le prix va monter. Et il est même possible de négocier ce tarif, en fait. Ah d'accord, tu peux dealer ça. Formidable. Voilà, si vraiment tu arrives à rentrer en contact avec les auteurs, tu peux obtenir une ristourne. Alors comment concrètement, tout lire quelque chose, Gonzague, peut-être ? Oui, c'est assez intéressant ce que disent Vincent et Corben, c'est qu'effectivement, déjà, il y a un côté service client derrière ces organisations mafieuses et criminelles. C'est que tu peux les contacter pour leur poser des questions, avoir de l'aide. Ils se sont cachés derrière l'anonymat relatif de Bitcoin en se disant, là, c'est plus difficile de tracer où va cet argent numérique. Mmh. Et effectivement, dans le cas de WannaCry, il y a des compteurs sur l'application, donc ça joue aussi beaucoup sur l'humain et la peur. Un qui te dit, si tu n'as pas payé avant telle date, on double le prix de la rançon. Un autre qui te dit, si tu n'as pas payé avant telle date, tu ne pourras plus du tout récupérer tes fichiers. Donc, il y a une vraie démarche pour tenter d'inciter les gens à payer vite. Parce que qu'est-ce que c'est le but pour les gens qui font ce genre de logiciel ? C'est de se faire le plus d'argent possible, le plus vite. Problème pour les mecs qui ont lancé WannaCry, qui a eu un certain succès, même si c'est moins que le virus Sasser il y a très longtemps. Mmh. Ils ont maintenant les forces de police d'un paquet de pays au cul. Un des problèmes aussi avec les ransomware, c'est qu'on ne sait jamais si une fois qu'on a payé, si le déchiffrement sera effectif, si la clé de déchiffrement va fonctionner. Donc c'est un peu
un peu au petit bonheur la chance. Quoi. Donc, en clair, il ne faut pas payer quand même. Du coup, voilà, il faut mieux pas payer. Voilà. Ouais. Parce que comme les terroristes, il ne faut pas verser de rançon. Quoi, et d'ailleurs, c'est vrai que pour compléter Corben, déjà, il ne faut pas payer parce qu'on les encourage dans leur démarche. Alors, malheureusement, c'est vrai, quand on n'a plus aucune sauvegarde de ces données, on a tendance à vouloir les récupérer. On va expliquer ce soir comment s'en priver. Et comme je disais, il y a des logiciels qui sont mal développés où la communication avec leur serveur central ne fonctionne plus. Et du coup, on ne peut pas récupérer les clés de déchiffrement. Donc, parfois, c'est de l'argent envoyé dans la nature. Et c'est ce qui s'est passé pour certains hôpitaux. Alors, avant de généraliser justement le phénomène du ransomware et essayer de comprendre comment s'en prémunir, comment a fonctionné, comment WannaCry a fait autant, entre guillemets, de dégâts? Quelle était la faille qui a été exploitée, messieurs, par WannaCry? Je laisse Vincent répondre, j'ai beaucoup parlé. Vincent. Il y a un temps, c'est comme dans les débats. Ouais. Non, la faille qui a été exploitée par WannaCry. Voilà, la faille de Windows qui a été utilisée, c'est une faille qui a été rendue publique il y a à peu près un mois par des documents qui provenaient probablement de la NSA. Mmh. Donc c'est une faille dans le système de partage de fichiers de Windows. Et qui donc, lorsqu'il est configuré d'une certaine façon, permet d'exécuter des commandes sur la machine. Après, il y a eu un certain nombre donc, de travaux faits autour de cet exploit-là, mais ce qu'on peut retenir, c'est que le ransomware s'est quand même déployé grâce à cette vulnérabilité quasiment telle qu'elle avait été donnée par la NSA. Ouais. En clair, tu es en train de me dire que Microsoft avait aussi publié des mises à jour qui n'a pas été faite par ces fameuses grandes entreprises ou administrations. Voilà. Ça, c'est un des éléments dans la timeline à bien garder en tête. C'est que le 14 mars, Microsoft a sorti une mise à jour qui permettait aux gens qui avaient un Windows en cours de support de se protéger contre cette faille. C'est quelle version de Windows, vous savez? Il y a beaucoup de versions de Windows affectées puisque une des rares versions qui n'est pas affectée, c'est Windows 10. Parce que moi j'ai lu peut-être Windows XP qui était en tête de liste. On a parlé majoritairement de Windows XP parce que c'est le système d'exploitation le plus répandu, le plus ancien Le plus ancien, enfin c'est pas vraiment le plus ancien de Microsoft, mais c'est le plus ancien vraiment encore actif et le qui plus, connu, normalement supporté par le Microsoft. Plus connu dans l'esprit des gens. Voilà. Puis aujourd'hui il y a vraiment plus grand monde sur Terre qui exploite Windows 3.1. Non. Par contre, Windows XP est très très répandu. Les distributeurs de billets dans les banques, les stations de service, les systèmes d'affichage numérique, tout ce qui est ça s'appelle le digital signage, c'est les écrans numériques qu'on a dans les rues et sur les panneaux de publicité. Je vois son œil briller, ça le passionne. Derrière ces choses-là, il y a beaucoup de Windows et aussi, c'est des très gros parcs informatiques qui sont donc rarement bien gérés, bien mis à jour. Surtout que, je le disais, Microsoft a stoppé la maintenance, entre guillemets, le suivi des mises à jour. C'est normal, ils ne peuvent pas supporter. Et là, ils avaient fait un effort, ils avaient comblé cette faille alors que normalement, Windows 95, Windows XP, les très très grosses boîtes qui veulent garder du support peuvent payer une fortune à Microsoft pour avoir le droit de continuer à bénéficier du support et donc des mises à jour, mais ils sont très rares et le ticket est assez cher. Et puis pour les autres, on est incité à basculer sur un autre système d'exploitation, ce qui est normal. Sauf qu'il y a plein d'entreprises qui ont des logiciels qui sont trop vieux. Qui n'existent plus. L'éditeur n'existe plus, etc., qui ne peut pas être basculé sur un OS plus récent. Et donc, qui sont restés sur ça. Et c'est là que le bas blesse. C'est là qu'il s'est passé beaucoup de problèmes. Alors, il est quand même à noter Microsoft a fait l'effort de sortir un patch. Oui, c'est ce que je disais, effectivement. Voilà, c'est ce que tu disais, Olivier, en dehors de tous ces contrats de support et de tous les engagements qu'il a pris vis-à-vis de ses clients, ils ont sorti un patch vendredi afin de combler la faille en question, même sur les Windows XP, sur les Windows 7. A posteriori, tu veux dire, même si on est attaqué, avant d'être attaqué quand même. On est d'accord, oui, je dis une bêtise. Une fois qu'on est attaqué, il faut rien faire. Donc, pointé du doigt, c'est pas Microsoft, on est d'accord. Qui est responsable, selon vous, avant tout? La NSA qui a laissé fuiter cette faille de sécurité qui a été exploitée par des cybercriminels? Pour moi, effectivement, les premiers responsables, évidemment, c'est les cybercriminels qui font ça, bien sûr, mais bon, ça, on va passer outre. Mais les complices de tout ça, c'est pour moi d'abord la NSA qui a en sa possession des failles de sécurité qui plus est concernent des outils américains, enfin voilà, Microsoft, etc., des systèmes d'exploitation comme Windows et qui ne les communiquent pas à Microsoft pour que la correction se fasse rapidement, quoi. Là, il a fallu attendre qu'un groupe de hackers qui s'appelle Shadow Broker hack les fichiers, enfin récupère
d'une manière ou d'une autre tout le savoir-faire de la NSA, tous leurs outils, etc., leurs exploits et tout. Et pour que Microsoft se penche là-dessus, voit qu'il y a des failles dont ils n'avaient pas connaissance pour pouvoir publier les patchs. Donc c'est pour moi le premier fautif là-dedans, c'est la NSA. Mm-hmm. Et ensuite le deuxième fautif, c'est les boîtes, quoi, parce que les boîtes prennent pas le temps de patcher ni de faire de mise à jour, tu veux dire, tout simplement. C'est ça, de faire des mises à jour. Alors XP, c'est vrai que bon, là ils ont sorti un patch pour la version embed, je crois, donc c'est celle qui est utilisée dans les systèmes embarqués ou sur les distributeurs de billets ou dans les machines, etc. Évidemment, sur ce genre de choses, c'est pas simple à mettre à jour, mais il y a quand même une grosse négligence de la part des boîtes, quoi, là-dessus. Ouais. Vincent, Gonzague l'exprimait en début d'émission, il s'étonnait que des administrations aussi importantes, aussi développées, des entreprises aussi puissantes et qui ont autant pignon sur rue que Renault puissent encore utiliser des logiciels aussi anciens et surtout ne pas les mettre à jour. Comment tu expliques ce phénomène de ne pas prendre au sérieux finalement ces risques que représentent ces logiciels qui sont quelque part obsolètes et donc dangereux parce qu'ils laissent passer des attaques? L'utilisation de ces systèmes d'exploitation, il faut bien comprendre que ils ne sont pas utilisés dans un contexte de poste de travail. Ça va être souvent, comme le disait Corben, des systèmes embarqués. Donc, on va parler par exemple d'une caisse enregistreuse, on va parler chez Renault probablement d'un automate. Oui, des robots de construction sur les chaînes de montage, par exemple, dans le cas de Renault. Par exemple, je n'ai pas d'informations, mais je pense que c'est ça. Ça m'étonnerait que chez Renault, ils travaillent encore sous Windows XP au niveau de leur poste de travail. Ce qui explique peut-être les problèmes de design il y a quelques années, mais ça s'est pas mal amélioré. Hein. J'ai vu ces derniers temps, donc après, moi, ils travaillent plus sur XP. Mais pardon, vas-y, continue, Vincent. Donc, moi, je pense qu'on est dans le cas d'un fournisseur qui fournit un système industriel ou quelque chose d'approchant, enfin quelque chose de fermé en tout cas, et qui a tout développé sous Windows XP, qui a tout son système sous Windows XP. Peut-être que c'est un ancien système d'ailleurs, qui n'a pas été, qui n'a pas suivi la mise à jour industrielle, je dirais, du robot. Et donc, on se retrouve avec des images qui fonctionnent, des images de systèmes qui fonctionnent très bien et dont on n'a pas du tout envie de toucher. Oui, c'est éprouvé et on prend un risque finalement de les mettre à jour. Si on casse la chaîne de production, et ça va pas le faire. Donc du coup, voilà, c'est tout cet état d'esprit en fait, qui est souvent le cas dans des systèmes type industrie, mais qu'on retrouve dans d'autres systèmes. Hein. Notamment, les distributeurs de billets aussi sont un petit peu dans le même état d'esprit. C'est vrai que on se retrouve avec des systèmes qui sont très anciens, parfois pas mis à jour. Et est-ce que véritablement il faut que cette industrie-là ou que cette façon de penser à la lumière de cette attaque-là soit remise en question? Je pense qu'il faut vraiment se poser la question. Oui. En clair, on sait, et Renault par le passé a défrayé la chronique sur justement le souci de la sécurité en son sein notamment, hein, le souci d'espionnage. L'espionnage industriel est une réalité dans le secteur de l'industrie automobile. Est-ce que vous pensez qu'une marque comme Renault ou encore Telefonica en Espagne, qui est un grand opérateur mobile qui a été, semble-t-il, assez touché, ne prend pas assez au sérieux l'aspect sécurité? Moi, personnellement, j'en doute. Hein. Tu l'as dit, c'était sur des postes assez pointus de robots notamment, mais dans le cas de Telefonica, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'encore aujourd'hui, les entreprises considèrent ton métier, Vincent, comme a posteriori, ils vont faire appel à toi lorsque l'attaque est arrivée, quoi. Et il est souvent trop tard à ce moment-là. Moi, de mon expérience, quand même, la plupart des sociétés dans lesquelles je suis passé mettaient la sécurité en avant. Ouais. Maintenant, je ne suis pas passé non plus dans toutes les sociétés. Je n'ai jamais travaillé chez Telefonica. Je pense pas que OVH, que OVH mette la sécurité en avant, c'est normal. Hein. C'est un hébergeur. Et son cœur de métier, c'est la tech, c'est le net. Mais par exemple, un Telefonica ou un Renault ou encore les hôpitaux anglais, enfin de Grande-Bretagne, c'est un service parmi d'autres. Ce n'est pas le cœur du business, certes, la tech. Certes, mais tous ces acteurs ont vraiment intérêt à ne pas avoir de soucis, à ne pas avoir d'incidents de sécurité. Donc je ne pense pas qu'il y ait eu des prises de position au niveau de la direction pour accepter des risques comme D'accord. cela, ou en tout cas, ils ont été à ce moment-là assez mal conseillés. Parce que avoir un Windows XP qu'on ne met pas à jour, connecté à Internet ou connecté à un réseau, c'est une bombe à retardement. Je veux dire, ça s'est passé ce week-end, mais ça aurait pu se passer avant et ça arrivera à un moment, un incident de sécurité avec ce genre de machine. Ouais. On va parler de Mac, hein, pour ceux qui sont passionnés du Mac dans le chapitre suivant, je vous rassure. Et pour clôturer sur WannaCry, on parle de 300 000 ordinateurs infectés. Est-ce que c'est vraiment, Corben, la plus grande attaque informatique qu'on ait jamais connue à l'échelle mondiale, franchement?
Je crois pas, je sais pas, honnêtement, j'ai pas les chiffres, mais pour moi, c'est juste un ransomware de plus. Là, ça a buzzé, je sais pas pourquoi. Je pense que parce que ça a touché beaucoup de grandes entreprises, mais il y en a eu d'autres avant et il y en aura d'autres après. Après, sur la quantité, je saurais pas te dire. J'ai fait une petite recherche quand même. Et, Vincent Oui. Je pense que c'est assez difficile de dire qui est le plus gros, on est toujours le premier et le dernier. Donc là, le truc, c'est au niveau de l'impact. Quand on est expert sécurité, on réfléchit souvent en termes d'impact. Bon, là, on a quand même eu visiblement des usines à l'arrêt, donc c'est quand même pas rien. Ouais, c'est pas rien. C'est pas que un ransomware, donc c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Maintenant, moi, je me rappelle à l'été 2013, il y avait une partie de l'internet chinois qui s'était arrêtée. Donc, on parle tout de suite de centaines de millions de personnes qui n'ont pas pu accéder à internet. Alors, c'est pas le même impact parce que leur machine n'a pas été touchée, leurs données n'ont pas été touchées. Et puis, voilà, c'est difficile de dire est-ce que c'est le plus grand, en fait. Ça dépend sur quel critère. Mmh. En tout cas, après, au niveau de l'impact médiatique, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Ouais. Après, sur le retour sur investissement, pour les hackers, en tout cas, je trouve qu'il n'est pas très intéressant. Alors, on parle de combien, Corben, concrètement? Enfin, le ransomware est dans la nature, on va dire, depuis février quand même. Donc là, il y a eu un pic au mois de mai, mais il ne vient pas d'arriver, quoi. Là, il y a eu 200... Enfin, au dernier recensement, il y a eu 253 paiements. Donc, il y a eu 253 boîtes ou personnes qui ont versé. Et au total, ça fait à peu près 71 000 dollars. Ouais, voilà. C'est pas pour une attaque mondiale, c'est pas BZF, hein. Ouais, c'est pas par rapport à l'impact médiatique, c'est rien du tout. Oui, je pense que ça fait vendre plus de papier que ça fait vendre de code pour déchiffrer WannaCry. Oui, alors j'ai beaucoup de trucs à dire, tu vas me détester. C'est pas grave. Parce que je vais nous faire dépasser notre chrono, mais oui. Il y a le virus Sasser. On ira plus rapide après. Le virus Sasser qui en 2004 avait touché des millions de machines. Tu as été sur Wikipédia juste avant. Oui, mais en fait j'en ai parlé ce week-end avec des amis. Oui. C'est un mec de 18 ans qui avait développé ça. Sasser. En 2004. Sa maman, elle travaillait dans une société de maintenance informatique. Il a voulu l'impressionner. Oui, il a bien impressionné. Il a causant des millions de dollars de dommages. Ouais. Et donc des millions de machines infectées en quelques jours. Donc ouais. Lui, il avait quand même mis un sacré pied à l'étrier à l'époque. Mais il n'y avait pas de rançon, là. C'était, non, il n'y avait pas de rançon, mais ça détruisait les machines. La beauté de casser les machines. Et alors, on n'a juste pas parlé enfin, Manuel de Corben a commencé à parler de la façon dont les gens ont installé WannaCry, ouais. et Vincent aussi. Il y a deux choses. Il y a les gens qui l'ont installé en cliquant un lien dans un mail un peu pourri, un PDF qui contient un lien, un zip qu'ils ont ouvert par curiosité d'une personne qui ne devrait jamais leur écrire. Mais bon, les gens sont un peu bêtes. Le deuxième vecteur de propagation, c'est justement cette vulnérabilité de la NSA dont on parlait, Corben et Vincent, qui est liée au protocole SMB, c'est le protocole de partage de fichiers. Chez Mac, c'est AFP, puisqu'on sur PC, doit quand même un peu parler de Mac. Mais on va y arriver. Ouh, on gagne des abonnés, c'est bien. Et donc, en fait, c'est aussi ça qui fait que ça s'est propagé dans les entreprises, c'est qu'elles avaient des réseaux non cloisonnés, c'est-à-dire que les réseaux, les machines industrielles ou les machines de l'hôpital qui servent aux opérations, ouais, pouvaient parler avec l'ordinateur de Gertrude de la compta qui a cliqué sur une connerie et qui a infecté tout le monde. D'accord. Et comme le virus est autoréplicant, il scanne d'autres machines à pirater. D'où la notion d'autoréplication et les infecte. Je vais apporter un petit bémol là-dessus parce qu'en fait, moi, j'ai discuté avec des gens qui bossent à l'ANSI hier. Et justement, l'ANSI, tu rappelles en deux mots ce que c'est, Corben ? C'est l'autorité qui s'occupe des systèmes de sécurité du gouvernement, des ministères, etc. Et en fait, eux et d'autres, hein, je suis aussi l'actu côté éditeur antivirus, et ils étaient justement en train de chercher quel était le vecteur de propagation initiale. Hein. Je ne parle pas de la faille SMB en local. Et il semblerait, alors ça reste encore à confirmer, c'est pas sûr, mais que ça soit pas l'email, bizarrement, mais que ça soit vraiment un verre du début à la fin. C'est-à-dire ouais, que ça passe pas forcément par un exploit dans l'email et que ça se répande comme ça. Oui, non, donc, je voulais pas dire que c'est un truc qui s'est lancé tout seul, c'est quelque chose que les gens ont téléchargé et lancé. Et qui, du coup, ouais, mais justement, apparemment, ce serait pas ça. Donc, ce serait pas forcément un phishing email que les gens cliquent et. D'accord. Vincent. Voilà, ou une pièce jointe, ce serait vraiment un verre de A à Z. Alors après, ça reste à confirmer. Ouais. Mais Vincent, pour conclure, que faire si on est infecté? Quelle est la pratique à observer si on est infecté? Que bien sûr, on ne peut pas payer et il ne faut pas payer. Ah, mais surtout, il ne faut pas payer. C'est la première chose que j'ai envie de dire, c'est que si vous payez, vous financez le crime. Et si vous financez le crime, ben, tôt ou tard, ça va vous retomber dessus une nouvelle fois. Donc, il ne faut pas payer. Faut récupérer les sauvegardes qu'on a faites et réinstaller complètement sa machine. Alors, si on n'a pas fait de sauvegarde, ça devient beaucoup plus compliqué. On peut aller sur le site nomoreranson.org
Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas sur ce site-là d'informations spécifiques sur WannaCry, mais il est possible que dans les semaines et dans les mois qui viennent, eh bien, on puisse récupérer les données qui ont été chiffrées. Donc, si vous n'avez pas de sauvegarde, peut-être que vous pouvez garder dans un coin le disque dur qui s'est fait chiffrer et attendre qu'une personne arrive à vous fournir un moyen de le déchiffrer. Et sinon, eh bien, il faut redémarrer à partir de zéro et faire une croix sur ces données si on ne les a pas sauvegardées. En tout cas, payer une rançon, il ne faut absolument pas le faire. On finance. Et puis en plus, de toute façon, rien ne vous dit qu'une fois que vous aurez payé, vous allez avoir la clé. Et même si vous avez la clé qui permet de récupérer vos données, vous ne savez pas du tout ce qui va se passer après, puisque votre machine continue à être infectée. Et une personne pourra très bien repasser, rechiffrer vos données ou faire toute autre chose. Donc, ça n'a aucun sens aujourd'hui de payer. Il faut repartir sur des bases saines avec une sauvegarde des données. Merci Vincent. L'heure est enfin venue de parler de Mac. Ransomware, donc le Mac est-il protégé, info ou intox? Mais allez, avant de parler du Mac, quand même un petit mot sur la personne qui a permis finalement d'endiguer cette attaque, Marcus Hutchins. Qui est ce jeune homme, Corben ou Vincent? C'est un Anglais de 22 ans, visiblement, qui donc a analysé le malware dès jeudi et qui s'est rendu compte que le malware, eh bien, il vérifiait la connexion avec un site web qui est en fait une chaîne de caractères qui semble être complètement aléatoire. Et si ce site web répond, eh bien, le malware ne s'exécute pas. Alors, il y a plusieurs théories autour de la présence de cette vérification, qu'on appelle un kill switch aussi. On pense que c'est pour vérifier qu'il ne s'exécute pas dans un environnement virtuel, dans une sandbox, qui permet justement de l'analyser. Hein, il va taper comme ça au hasard un domaine et ça va lui permettre de vérifier qu'il n'est pas en train de se faire analyser. Donc du coup, ce jeune homme, il a décidé de déposer le domaine et de faire en sorte qu'il réponde. Quelle bonne idée. La vague d'infection. Et je pense que ça a sauvé énormément de gens. Oui, parce qu'à partir du moment où le serveur répondait, ça a endigué l'attaque, quoi. Là, on a vu une chute du nombre d'attaques. Disons c'est ça, que en fait. Les personnes continuaient et continuent à se faire infecter, mais la partie qui va chiffrer les données ne s'exécute plus. Ne s'opère plus. Du coup, prudence voilà, donc. On a donc, je pense, pas mal limité les dégâts grâce à ça. Petit bémol, ça ne passe pas les proxys. Donc, si vous êtes dans une grande entreprise où vous êtes obligé de passer par un proxy, eh ben, le malware ne va pas passer par le proxy, du coup il va quand même s'exécuter, il ne va pas pouvoir vérifier la réponse du site internet. Très bien. Alors ce jeune homme, il a quand même pas, enfin il a fait ça de manière, enfin, à mon avis c'était pour analyser aussi les réponses, parce qu'à la suite c'est de un ça, passionné de sécurité sortir, hein, c'est un... ouais, il a pu sortir un certain nombre de statistiques, donc c'était assez intéressant. Bon, ces statistiques qui, de son propre aveu, en fait, ne servent pas à grand-chose, parce qu'il y a plein de gens, du coup, qui se sont amusés à regarder ce qu'il y avait derrière ce site web. Donc, bon, les statistiques, on ne sait pas trop ce qu'on en fera. Mais en tout cas, il a gagné... je crois qu'il y a, une société qui lui a proposé de lui donner des pizzas gratuites pendant un an. Il a gagné ça. Et puis, une société de bug bounty américaine lui a versé 10 000 dollars, visiblement, aujourd'hui. Pour un nom de domaine qu'il a dû déposer à 7-8 euros, plus un hébergement mutualisé à 2 euros, je pense qu'il a gagné sa journée. Ouais, mais c'est vrai qu'il a sauvé la baraque de pas mal de monde. Revenez au Mac, historiquement, Corben, le Mac est plus épargné que les ransomware. Comment on peut expliquer tout simplement ce phénomène qu'historiquement, encore une fois, là, dans le cas de WannaCry, le Mac soit passé au travers? Sur le côté spécifique des ransomware, je pense que la raison, c'est... Bon, déjà, c'est historique. Hein. Il y a d'abord plus de malware sur Windows parce qu'il y a un système de patch, ou en tout cas, il y a plus de machines. Donc, c'est plus intéressant, en tout cas, de développer des malwares pour Windows en termes de quantité de machines. Ouais. Donc, voilà. Et après, et au-delà, ce n'est pas plus facile d'infecter un PC qu'un Mac, en clair. C'est ce que tu es en train de dire. C'est simplement que le marché pour un cybercriminel est plus important sur PC, donc on va plutôt sur PC que sur Mac. C'est aussi simple que ça. Je pense que en fait l'environnement Windows, l'écosystème Windows est beaucoup plus répandu. Donc effectivement, il y a beaucoup moins de machines qui sont mises à jour. Il y a beaucoup plus de délais entre les mises à jour. Alors que sous Mac, il y en a moins. Les mises à jour se font peut-être plus rapidement. Voilà. Il n'y a pas vraiment, enfin je sais pas, mais
moi, de ce que je vois autour de moi, les machines, les Mac, sont moins souvent sur des vieilles versions, quoi. Ouais. Alors que parce qu'il y a les mises à jour automatiques, parce que les gens achètent les derniers Mac parce qu'ils sont un peu fanboy, parce que parce qu'il y a des évolutions, etc., et que même peut-être Apple bride aussi. Il y a moins d'acteurs en tout cas. C'est vrai que force un peu la main sur les évolutions. Mmh. Et Microsoft, ça le fait beaucoup moins. Et l'autre raison aussi, c'est que les entreprises sont principalement sous Windows. Donc faire un malware qui va récupérer, pour qu'un malware récupère de l'argent efficacement, il faut qu'il chiffre des données qui soient importantes. Sinon, il n'y a aucun intérêt de payer. Et pour que les données soient importantes, bah, souvent c'est les données des boîtes. Donc c'est plus intéressant de faire un malware pour Windows. Très bien. Vincent, tu confirmes, tu es assez d'accord avec la vision de Corben concernant la différence entre le Mac et le PC pour le ransomware ? Moi, je pense que pour les mises à jour, moi, je vois plein de Macs qui ne sont pas à jour. Je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Je pense que vraiment, c'est que l'histoire du malware commence à la fin des années 90 où massivement Windows était répandu partout. Donc, clairement, développer un malware pour une cible aujourd'hui, si on veut taper dans le plus grand nombre, on va développer sous Windows. Et évidemment. C'est vraiment pour moi uniquement une question de proportion aujourd'hui du marché. La question c'est voilà, si un jour le Mac dépasse ses 10-15% de parts de marché, est-ce que véritablement l'industrie du malware se retournera vers les plateformes macOS ? Moi je le pense. On assiste quand même ces derniers temps à une augmentation, on le voit ces dernières années, ces deux dernières années, à une augmentation du nombre de ransomware sur Mac. Tu l'expliques aussi parce que la plateforme se popularise tout simplement ? Oui, je pense que il y a une recrudescence. Ouais, enfin il y a aussi une professionnalisation côté attaquant, et donc on voit les sommes considérables qui sont générées par ces industries. Donc du coup, je pense qu'ils se sont attaqués au Mac parce qu'à un moment il fallait qu'ils touchent 100% des gens. Mais clairement aujourd'hui, les ransomware qui marchent le mieux et qui font le plus d'argent, ils sont sous Windows. Et ça va rester le cas tant que les parts de marché seront telles qu'elles sont aujourd'hui. La première attaque identifiée, Gonzac, elle date de l'année dernière. La plus médiatisée, oui, c'était KeyRanger, qui avait été packagé avec Transmission, le client Torrent. Ouais. C'est souvent là-dessus qu'on trouve des problèmes. Alors, il y a deux choses. Là, c'était packagé avec le logiciel lui-même que les gens installent pour des torrents. Et c'est vrai que parfois, il y a en plus des malwares, des virus, ransomware peut-être, qui sont inclus dans des téléchargements eux-mêmes. On te fait croire que tu vas télécharger la dernière version de la suite Adobe. Et en fait, c'est arrivé quelques mois plus tard avec Magisfield Coder. Ouais. Voilà. Donc ça s'est passé dans des faux cracks, des choses comme ça. Et très récemment, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, dans le logiciel Handbrake, qui permet de ripper des DVD. Très connu dans le monde Apple. Voilà, qui était aussi infecté. Donc il faut quand même être assez prudent et finalement... Nous qui sommes partisans de la mise à jour rapide, les gens qui avaient mis à jour leur transmission avaient téléchargé une version infectée. Infectée. Alors, comment on peut s'en prémunir sur Mac ? Les outils, les réflexes ne sont pas les mêmes, parce que c'est vrai que sur PC, on sait que les attaques sont récurrentes, que les virus sont une réalité. Sur Mac, pendant longtemps, Apple avait un discours assez rassurant. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour s'en prémunir et surtout s'en débarrasser ? Un antivirus, oui, pourquoi pas, même si c'est pas forcément tout le temps étanche. Faire les mises à jour, c'est très important, mais ça, je pense que les gens qui vous écoutent, enfin, j'espère, les font régulièrement. Après, moi, il y a un petit outil que j'aime bien sous Mac qui s'appelle Ransom Free, qui en fait est un logiciel qui tourne en permanence sur l'ordinateur et qui détecte quand il y a des accès un peu non autorisés au disque. C'est-à-dire quand il va y avoir des modifications, des chiffrements sur des fichiers. Donc, par exemple, si vous chopez un... Il y a un équivalent sous Windows aussi, mais si vous chopez un ransomware, avant même que... Enfin, au tout début, il va commencer à chiffrer peut-être un ou deux fichiers. Et là, bim, vous allez avoir un truc qui va vous bloquer et qui va vous demander si vous autorisez ou pas cette modification. Et là, vous saurez si vous êtes infecté ou pas. Mais bon, c'est un gadget, hein, c'est un petit outil. Ça va pas désinfecter votre ordinateur, ça va juste bloquer le ransomware et après, il faudra quand même vous débrouiller. Mais la meilleure défense contre ce genre de choses, que ce soit sous Mac ou sous Windows, c'est de faire ces mises à jour et ces backups surtout. C'est-à-dire des backups qui sont déconnectés de votre ordinateur. Parce que on le voit par exemple sous Windows ou même sous Mac, hein, c'est le cas aussi. Si vous avez un partage réseau
et que le malware, lui, va chiffrer tout ce qu'il trouve, y compris sur les partages réseau. Donc, si vous avez des backups sur un partage réseau, garantie time machine aussi. Ouais. Donc, si vous avez une time machine, faites-le, mais pensez à débrancher le disque dur ou à démonter votre partage réseau. Oui, surtout que, alors, il y a une protection naturelle, Gonzac, sur Mac, parce que quand on installe une application qui n'est pas identifiée par Apple, il la bloque, il vous prévient, mais c'est vrai qu'on a tendance à décocher cette fonction dans les préférences ouais, c'est Apple. C'est une semi-protection, puisque c'est la protection contre les applications non signées, qui, depuis quelques versions récentes de macOS, t'oblige à aller dans les préférences système, etc. Mais bon, quelqu'un qui est déterminé et qui croit que, par exemple, il va accéder à du streaming de films gratuits en installant un petit logiciel, au final, va lancer le programme. Surtout s'il y a des jeunes femmes nues dessus. Voilà, et il se ou trouve que... Ou des jeunes hommes, d'ailleurs, mais passons. C'est pas forcément suffisant, puisqu'il y a aussi des gens qui peuvent tout à fait signer un logiciel malveillant, et donc il passera beaucoup plus facilement entre les mailles du filet. Ouais. Il n'empêche, il y a une recrudescence, il y avait une étude de McAfee qui était parue en fin d'année dernière, qui disait qu'il y avait en gros, on avait passé le cap de 50 000 logiciels malveillants, ce qui était relativement bas, à 350 000 lors du dernier semestre 2016, donc il y a eu vraiment une recrudescence, c'est multiplié presque par 6, voire par 7, oui, ma table d'application est un peu rouillée, mais on est très loin de ce qu'on connaît dans le monde PC. On est très loin de ça, mais alors après, ces chiffres sont à la fois intéressants et à prendre avec des pincettes, puisque ce qui se passe, c'est qu'il y a des sociétés malveillantes, des organisations malveillantes, qui vendent aussi des frameworks, des virus préconçus. C'est leur métier, hein. Oui, non, voilà. Mais qui permettent de faire des variantes. D'accord. Et donc de là naissent peut-être 10 mutations. À partir d'un d'une type de... Voilà, d'accord. Exactement. Tu te dis, je vous vends le petit virus personnalisé pour vous. Il se connectera à vos serveurs qu'on appelle les serveurs CEC, c'est les serveurs de contrôle du virus, et avec lequel vous pourrez lancer des attaques des DOS, etc. Donc, bon, je veux pondérer ça. En création originale, il n'y en a peut-être pas autant. Ouais, mais après, forcément, la menace augmente. Le chiffre sur PC, hein, ce serait près de 600 millions sur la même période. Donc, c'est vraiment une goutte d'eau encore le Mac aujourd'hui. Mais voilà, donc il y a encore de la marge. Mais c'est vrai que la part de marché d'Apple est moins importante. Un mot peut-être pour conclure sur Apple et sur les attaques malveillantes de manière générale, messieurs. Quid d'iOS? On pensait pendant longtemps que le fait que les applications étaient tout simplement validées par Apple pour pouvoir être distribué sur l'App Store empêchait l'apparition de malware. On s'est aperçu que ce n'était pas forcément le cas, messieurs. Non, ce n'est pas forcément le cas. Et puis bon, après, les gens sont aussi tentés, enfin moi le premier, hein, de désactiver cette protection temporairement quand on a un truc à installer, parce que tout n'est pas forcément sur l'App Store. Je parle plus de l'App Store d'iOS, là. Oui, ah d'accord, ok, comme tu veux, mais... Voilà. Non, mais la validation d'application, on l'a vu, souvenez-vous, c'était en fin d'année dernière, il y avait soit des applications qui utilisaient des versions Discord qui étaient infectées, donc ils développaient des logiciels qui étaient validés parce qu'ils étaient faits par des développeurs qui avaient pignon sur rue, mais derrière, ils étaient déjà contaminés. Et on voit apparaître un nouveau phénomène, regardez ce petit lien qu'on a trouvé sur Mac Génération, où des développeurs malveillants, dirons-nous, publient des fausses applications au nom de grandes marques, faisant croire que c'est la dernière application de Nike, de Puma ou d'autres. Apple les valide, croyant que c'est les vraies marques, et puis derrière se cachent peuvent se cacher des choses qui ne sont pas très encourageantes. Donc, il faut être relativement prudent. Un mot peut-être concernant... Sur le modèle de sécurité qui a été mis en place par Apple, sur l'iOS, hein, par Apple, sur l'iPhone, et qui a été après repris par Google, on est quand même sur une sécurité assez serrée. Oui. Alors, au prix d'une perte de liberté... Très clairement, sur l'iPhone, on ne peut pas faire ce qu'on veut, sauf à le jailbreaker, mais là, on sort du cadre de la sécurité telle qu'elle a été conçue par Apple. Mais si on reste dans ce modèle de sécurité conçu par Apple, on est quand même à l'abri de tout un tas de menaces traditionnelles qu'on a sur nos systèmes d'exploitation, sur nos ordinateurs aujourd'hui. Donc, le modèle, il se tient. Ça fait maintenant 10 ans qu'iOS est sur le marché. À part les jailbreaks, on se rend bien compte quand même qu'il y a quelque chose, il y a un pas qui a été franchi en termes de sécurité. Au détriment de la liberté des utilisateurs, certes, mais il y a quand même quelque chose qui est plus sécurisé que sur les desktops. Et j'en veux pour preuve, par exemple, le FBI qui, l'année dernière,
chercher à tout prix à avoir des failles et des vulnérabilités pour pouvoir rentrer des dans des zones de suspects. Ça a fait beaucoup de buzz l'année dernière. Ça prouve bien que même des États et des grosses agences gouvernementales n'ont pas aujourd'hui un accès libre à l'iPhone. Donc les cybercriminels, encore moins. Pour conclure, ça montre que la position d'Apple par rapport à cette demande du FBI était la bonne. Ouais. Même si le FBI a quand même apparemment réussi à trouver une solution. Mais passons. In fine, on s'aperçoit, puisque si j'ai suivi bien votre raisonnement, la priorité des cybercriminels, et on reviendra dans après le busomètre et les questions Twitter sur justement qui se cache derrière ces grandes attaques. Si l'ambition de ces cybercriminels, c'est de toucher le plus de monde possible, à terme, on le voit bien qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs sur plateformes mobiles, à terme, ce sont ces plateformes-là qui seront le plus touchées. Et c'est important de vraiment blinder. Parce que c'est là où le marché va basculer dans quelques temps. Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui... on n'est pas loin de surpasser en nombre d'utilisateurs mobiles par rapport à des ordinateurs. Et en plus, tous ces téléphones sont forcément connectés 24 heures sur 24, avec des connexions qui ne sont pas toujours très fortes, mais ça a de la valeur, quoi. Ça a quand même de la valeur. Avoir aujourd'hui des botnets sur téléphone portable, c'est quand même quelque chose qui n'est pas encore, très répandu, vu à grande échelle, mais enfin, quand même, ça va venir, forcément. Donc prudence aussi, mais là encore Apple a peut-être une valeur ajoutée qu'il pourra mettre en avant dans quelques années pour contre. On verra ce qu'a proposé Google d'ailleurs pour essayer d'indiquer ça, parce qu'il est plus permissif effectivement sur la validation des applications. L'heure est venue de passer aux questions Twitter. Gonzague, deux questions ce soir. Alors on a une question de David Bénard qui dit « Je ne comprends pas, un Mac ce n'est pas invulnérable, on m'aurait menti ». C'est vrai, Gonzague, qu'Apple n'utilise plus cet argumentaire. Pendant des années, souviens-toi, sur le site d'Apple, il y avait dit « Le Mac est totalement étranger au virus ». C'était marqué noir sur blanc sur le site d'Apple. Ils n'utilisent plus aujourd'hui ce terme-là. Ils savent que c'est malheureusement plus le cas. Mais déjà, c'est pas que c'est plus le cas, c'est que ça n'a jamais été le cas. Ouais. Il a toujours été possible de faire un virus pour Mac. C'est peut-être un peu plus chiant de le faire aujourd'hui qu'avant, d'ailleurs. Oui, puis le marché était moins important, l'a compris, tendance etc. À dire que, mais ce n'est pas un argument. Et surtout, les gens, je pense, en ont un peu marre de ces arguments marketing de niveau de sécurité militaire, au niveau de sécurité d'une banque. Quand on voit les banques chinoises qui se sont toutes fait pirater leurs distributeurs par WannaCry. Bon, clair, c'est tendre la joue pour recevoir une jolie... Ouais, et puis la sécurité absolue, ça n'existe pas. Et comme on l'explique depuis tout à l'heure, ça dépend de tout un tas de facteurs, à la fois l'OS, le fabricant, les logiciels et l'utilisateur, qui est souvent quand même la grosse porte d'entrée de tous ces problèmes. Donc, proclamer haut et fort qu'un système n'est pas inviolable, c'est comme la société qui a lancé ses téléphones soi-disant super protégés, là, et qui s'est fait pirater deux semaines après. Ouais. C'est pas un vrai argument aujourd'hui. Et donc, deuxième tweet de Longhorn qui dit « Pourquoi les gens restent-ils sur XP même des années après la fin du support ? Le bug n'a jamais concerné Windows 7, 10, 7 et 8.1 patch Mars. » Alors, bon, du coup, il dit un peu tout et son contraire, puisque le bug a longtemps concerné Windows 7 et 8.1, qui ont été patchés en mars, comme l'a expliqué Vincent. Les gens qui restent sur XP, on en a parlé, c'est des gens qui sont un peu coincés sur ça et qui n'ont peut-être pas la possibilité ou pas les moyens de passer à autre chose et qui parfois sont totalement inconscients des risques qu'ils font courir à leur société. Et puis comme le cas je crois que c'est Vincent ou Corben qui donnait le cas de l'exemple de Renault tout à l'heure, c'est des outils de production, donc on fige un outil de production quand il fonctionne, on ne prend pas le risque de le mettre à jour parce que ça risque tout simplement Le réflexe adopté un peu à tort là-dessus, c'est « if it's not broken, don't fix it ». Voilà. On prend un risque de l'usine. On fonctionne. Voilà, parfaitement. Pourquoi j'arrêterais de faire des voitures pendant un jour pour passer sur une nouvelle version du logiciel qui n'existe peut-être même pas ailleurs. Bon, je crois que tu as bien répondu aux questions. On va directement passer au busomètre. Le busomètre, quelles sont les rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine autour de la planète Apple, mon cher Gonzague ? On parle en numéro 1 d'un nouveau MacBook à la WWDC, je ne connais même pas la conférence des développeurs Apple, la Worldwide Developer Beaucoup Conference. Beaucoup de petites étoiles sur cette rumeur et on ne parle on même croit, pas forcément d'un seul nouveau MacBook, croit, puisqu'on parlerait de nouveau MacBook Pro avec du Kaby Lake, etc. Je suis bon pour jeter le mien Déjà, ça ferait que juste la troisième fois. Voilà, je t'emmerde. Deuxième rumeur, un assistant vocal Siri pour la maison. Alors ça, on en entend parler depuis quand même assez longtemps. Ouais, c'est récurrent. C'est récurrent.
Et j'espère que le jour où ils le feront mieux que les autres parce que, et là je vais prendre un peu plus de temps que prévu, mais Amazon par exemple, d'habitude. Et voilà, exactement, je déborde. Amazon qui lance tout plein de versions de Amazon Echo, qui est un logiciel très intéressant, ne s'est jamais intéressé au fait qu'il puisse y avoir plusieurs utilisateurs sur un même système. Donc en fait, quand tu te connectes, ça partage tous tes contacts à toutes les personnes qui vont utiliser leur petit Echo tactile. Maintenant, ils en ont sorti un avec un écran. Ouais. Tandis que Google fait la reconnaissance de la voix des utilisateurs pour essayer de distinguer plusieurs personnes. Donc tu vois, pour Siri, qui pour l'instant, on n'a pas vraiment d'approche multi-utilisateur sur nos iOS, qu'est-ce qu'ils vont sortir pour gérer ça? Est-ce que ça va être connecté à beaucoup de services? Et surtout, nous en France, Alexa et Google Home, on n'a pas. On n'a pas, non, c'est pas, ils sont pas encore traduits. Tiens, un petit mot de Corben et de Vincent. Qu'est-ce que vous pensez de cet engouement autour des assistants vocaux domestiques? Moi personnellement, j'y crois pas. On a mis 2 étoiles pour Apple, puis tout simplement, il y a ça pour Siri, ça marche assez bien. C'est un vaste débat. Vous en pensez quoi de cet engouement, de cette mode qui s'est pas forcément traduit en France encore dans les faits? Ouais, bah écoute, c'est dans la lignée des objets connectés, quoi. Enfin, après, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Moi, je trouve ça sympa. Après, ça pose aussi d'autres problèmes de sécurité. C'est vrai? Voilà. C'est tout à fait vrai. Parce qu'on nous écoute en permanence avec ces outils-là. Ouais, voilà, de confidentialité déjà. Et puis c'est ça, de tout un tas de trucs. Là, tout à l'heure, Vincent parlait des téléphones qui pouvaient servir à faire des attaques d'os. Ça peut être aussi fait avec des objets connectés. Il y a eu des caméras comme ça qui ont fait des attaques. Donc, voilà, ça pose encore tout un tas de problèmes, sans parler du problème de confidentialité, effectivement, par rapport au fait qu'on est tout le temps écouté avec Alexa, par exemple, ouais. Ou ce genre de choses. Donc, voilà, c'est toujours des choix qu'il faut faire, que les gens, où il faut informer les gens pour que les gens aient conscience qu'en achetant ce genre de choses et en utilisant ce genre de choses, ils peuvent exposer pas mal de données personnelles, exposer leurs habitudes, etc. Après, s'ils sont d'accord avec ça peut rendre aussi pas mal de services et être très rigolo à utiliser. Hein. Donc, c'est juste un choix à faire de manière consciente. Quoi. Merci Corben. On va voir, on aura la réponse à la WWDC. Nous serons encore une fois en direct le 5 juin en public. Dans le grand amphithéâtre de 42, on vous indique d'ailleurs tout de suite, regardez ce mail qui s'affiche au bas de l'écran, c'est magique, pour pouvoir nous contacter, pouvoir participer et vivre en live avec nous dans le public de l'école 42. Rumeur suivante, c'est la troisième? Oui, déjà. Oui, un iPad 10,5 pouces à la WWDC. Ouais. 3 étoiles. Ouais, je ne sais pas s'il faut y croire ou non. C'est intéressant. On dirait que Apple se cherche un peu sur les formats. Ouais, on parle même de redynamiser un petit peu l'arrêt de l'iPad mini. C'est la rumeur suivante. Donc, bon, peut-être que ça. C'est lié, en tout cas. Les gens croisent les infos. Voilà, en tout cas, il y a une cohérence entre ces deux-là. Ouais. Est-ce que ça va se faire? Écoute, je ne suis pas dans les petits papiers de Johnny Hive et de son patron, Tim Cook, donc un peu difficile à dire. Moi, je n'ai pas beaucoup d'intérêt pour cette rumeur. Dernière rumeur, c'est la bonne. Dernière rumeur, hein, bracelet capteur de glycémie dans l'Apple Watch. Alors ça, c'est quand même assez spécifique niveau santé. Cela dit, ce serait vraiment dans la lignée de ce que fait l'Apple Watch aujourd'hui, même si elle est peut-être un peu plus sport que santé. Elle a détecté des risques cardiaques. Positionner bien-être plus que santé. Voilà, suivre son activité sportive, ce qui est assez intéressant. La glycémie, c'est quand même vraiment un peu particulier. Le diabète, notamment, le traitement du diabète. Voilà, exactement. Est-ce que là, on ne part pas sur un truc trop spécialisé? Je ne sais pas. On a mis que 2 étoiles parce qu'en discutant avec des experts du secteur médical en préparant cette émission, ils nous ont dit que bien sûr c'est possible, bien sûr ça existe déjà. Simplement, il faut une certification au niveau mondial dans chaque pays pour que ça soit certifié médicalement par les organismes qui gèrent cela et qui vous permettent d'être identifié dans un hôpital ou dans un laboratoire ou par un médecin en disant ok, vous êtes diabétique, je crois en ce que me donne comme résultat votre outil, votre montre, et le niveau de certification est tellement élevé que ça met des années à mettre d'accord l'ensemble des organismes, et le voir arriver si rapidement d'ici le WWDC, je serais ravi, mais en tout cas ce ne sera pas un système médical, ce serait plutôt un système qui viendrait en plus valider le diagnostic, ouais, un système de confort. Bon, on a fait le tour. On a fait le tour. On aura la réponse dans 15 jours, ça va arriver vite. Allez, on passe tout de suite à la deuxième partie ou deuxième grande partie de cette émission. On va essayer de comprendre qui se cache derrière ces attaques de ransomware. Qui se cache derrière donc les attaques de ransomware? En ce qui concerne WannaCry, Vincent, on a désigné quelques États, la Russie, la Corée du Nord, ton avis?
C'est toujours un petit peu difficile. L'attribution d'une attaque comme ça, c'est compliqué. Alors, si c'était la Corée du Nord, ce serait quand même rigolo, parce qu'on se retrouverait avec des outils probablement volés par des Russes à des Américains et utilisés de la Corée du Nord pour pouvoir infecter des machines occidentales. Mais quel est l'intérêt alors, quel serait l'intérêt, la motivation de la Corée du Nord, en plus de gagner 30 000 dollars ou 50 000 dollars, ce qui est ridicule? C'est ça la question. C'est pourquoi un État mettrait au point un ransomware? Je ne vois pas du tout l'intérêt. L'intérêt d'un État, c'est l'espionnage. Donc, il vaut mieux pas faire de bruit, il vaut mieux rentrer, avoir de la persistance sur le long terme, récolter des informations. Là, ce n'est pas du tout la méthodologie d'attaque. Donc, pour moi, les États ne sont pas du tout en jeu là-dedans. Mais encore pour une fois, Anacry, en l'attribution, tout cas, c'est difficile. Ouais. Il y a pas pour les ransomware en général, je ne vois pas comment, pourquoi un État ferait un ransomware. Alors, on va tourner la question différemment, Vincent ou Corben. Est-ce qu'il y a des nations plus en pointe sur des attaques informatiques? On en a entendu beaucoup parler, elles sont plutôt à l'est de l'Europe, notamment lors des élections américaines, voire plus récemment des élections présidentielles en France. Comment expliquer ce phénomène et quelle est encore une fois la motivation, même si ce n'est pas forcément du ransomware? Écoute, ça peut être beaucoup de pays, on ne peut pas forcément pointer le doigt. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup des Russes, on parle beaucoup en termes d'espionnage, par exemple des Israéliens, des Chinois, des Nord-Coréens, enfin tu peux tout imaginer, mais il y a aussi des pays d'Afrique qui commencent à se développer autour de ce business. Moi, j'ai cité aucun pays. Moi, j'aime tout. Je parle de la presse, je parle des gens dans la presse, mais, ouais. Mais voilà, donc concrètement, on ne peut pas savoir. Après, est-ce que c'est un État derrière WannaCry? Je ne sais pas, mais j'ai lu des... Alors, théorie, c'est des théories, hein, je ne la partage pas forcément, ouais. Mais certains avancent la théorie que ce serait un ransomware, mais factice, entre guillemets. C'est-à-dire que la vraie excuse, ce ne serait pas le ransomware, ce serait de pouvoir mesurer les capacités de réaction des entreprises et voir qui paye, qui ne paye pas, et pour pouvoir après... pouvoir peut-être englober ça dans une attaque plus globale, plus généralisée et voilà, plus percutante, mais donc cette fois provoquée par un État pour une attaque, on va dire, en mode guerre, quoi, voilà, pour un truc un peu plus sérieux. Et que ce serait juste des tests, voilà. D'accord. Et un peu maquillés. Mais là, la Corée du Nord est pointée du doigt, mais en fait, on n'en sait rien du tout. C'est-à-dire que souvent, ce que font les groupes de cybercriminels comme ça, c'est qu'ils ils mettent dans leur création des fausses pistes, hein, donc des espèces de fausses traces, peut-être des mots en coréen, peut-être des façons de développer des pistes. Voilà, c'est des façons de développer qui ont été vues dans d'autres ransomware ou d'autres malwares qu'ils vont recopier en mode copycat pour faire croire que c'est les autres qui ont fait le coup, quoi. Donc on peut pas vraiment savoir d'où ça vient, c'est ça le truc. Et Vincent, alors on oublie les États, on les met de côté, par contre il y a de vraies organisations criminelles qui s'intéressent au phénomène du piratage et du ransomware en particulier. On pense à des mafias, c'est une réalité? Bon, la mafia en général, d'ailleurs. En tout cas, s'ils ne le font pas, ils sont un peu idiots, parce qu'aujourd'hui, leur business rapporte... Enfin, la cybercriminalité rapporte tellement d'argent, et finalement, est quand même... Enfin, tu risques beaucoup moins à faire un cybercrime qu'un crime dans la réalité. Et je ne parle pas uniquement de l'impunité. Je parle tout simplement dans les lois, le code pénal aujourd'hui en France, par exemple, met en prison plus longtemps quelqu'un qui va faire un crime dans la vraie vie que quelqu'un qui va se cacher derrière un ordinateur. Donc il est clair qu'aujourd'hui les mafias sont en train elles aussi de se mettre au digital et commencent à regarder tout ça. Ils subérisent. Ils sont déjà actifs. Ils sont en train de subériser la mafia. Transformation digitale. Ouais. Et en clair, tu l'as dit, en résumé, il y a moins de risques en clair de faire une attaque que d'aller attaquer une banque, en clair. Hein. C'est ouais, évident. Tout à fait, il y a moins de risques physiques déjà, et puis pénalement, il y a moins de risques. Donc le rapport risque-gain, il est en faveur tout à fait des cybercriminels. Ce qui veut dire, Gonzague, qu'on devrait assister dans les années qui viennent, voire dans les mois qui viennent, de plus en plus de ce type d'attaque, parce que c'est plus facile pour une organisation criminelle de monter ce type d'attaque que d'une attaque traditionnel. D'une part, on va... Comme des trafics de drogue. Évidemment, voir de plus en plus d'attaques de ce type. Alors, bon, ils devront surfer sur d'autres vulnérabilités pour se répandre, puisque celle qu'on a vue ce week-end est en train d'être patchée tout doucement. Mais surtout, on va aussi voir un autre type d'attaque émerger, et on l'a déjà vu, et je crois que c'est Corben qui en parlait tout à l'heure, les webcams qui se sont mis à faire du DDoS. Tu traduis ?
Alors, c'est des attaques coordonnées, massives, qui visent à arrêter un service en l'assaillant de requêtes et faire qu'il ne puisse plus répondre, ou parfois en envoyant des requêtes mal formées, comme si je te faisais des débuts de phrases qui n'ont aucun sens. Des fois, tu le fais. Ton cerveau... oui, voilà, je m'adapte. Ouais. Et que ton cerveau essayait de former une réponse, mais ne comprenait pas, et puis que je te reposais la même question, bizarre, machin, et avec le volume... Tu plantes et donc tu as accès. Donc ça, c'est une description très sommaire. C'est assez efficace, bravo. Voilà, imagée du DDoS. Et donc, des gens avaient pris le contrôle de plein de webcams qui étaient accessibles sur le net parce qu'elles, automatiquement, elles ouvrent des ports vers elles-mêmes sur les box des gens à la maison, avec ce qui s'appelle l'UPnP. C'est un protocole qu'il faudrait éviter d'avoir sur votre box, si vous pouvez. Et elles avaient en dur des logins et des mots de passe dans les caméras. Voilà. Et donc ça permettait déjà d'espionner plein de gens et d'entreprises, ouais. Mais aussi d'autres, comme c'est des petits Linux embarqués, de s'en servir, de changer leur code et d'aller lancer des attaques. Et ça, je pense, c'est beaucoup plus nocif que le ransomware en soi, puisque c'est beaucoup plus pernicieux. Tu peux t'installer sur un tas d'équipements et ne pas bouger, être en silence, au calme, pas d'activité pendant des mois, et tout d'un coup lancer ton gros coup, ou avoir en plus analysé un réseau, parce qu'en fait, une fois que tu es entré dans un appareil, et c'est tout l'objet du travail de Vincent, tu entres dans un premier serveur, après tu as accès à d'autres, etc. Donc là, tu peux faire tomber des entreprises, des acteurs beaucoup plus importants comme EDF ou des gens qui gèrent des infrastructures massives et au niveau de l'État entier. Et là, c'est plus embêtant. Par exemple, on en avait parlé dans un podcast, quelqu'un qui avait fait sonner les sirènes d'une ville pendant 3 heures. Mmh. C'est exactement ça ce qui peut arriver. Et ça, je pense, c'est plus gênant. C'est plus gênant. Et au-delà de la... Il y a d'autres types d'attaques que WannaCry. Il y a des attaques de ransomware qui ciblent une et une seule entreprise. Véritablement, c'est vraiment une opération presque de kidnapping. C'est-à-dire qu'on s'accapare le cybercriminel ou l'organisation de cybercriminalité prend le contrôle carrément du système d'information de l'entreprise ou des données vraiment stratégiques et indispensables aux entreprises. Ça, c'est un phénomène réel, Vincent, ou c'est Hollywood qui en parle ? On va peut-être en parler d'Hollywood, d'ailleurs. Non, bah des attaques ciblées. Hein, et on entend très peu parler de ce type d'attaque, hein, parce que généralement, les entreprises ne préfèrent pas trop les bruiter, ce genre d'attaque. Hein. Alors, aujourd'hui, un incident de sécurité, c'est vrai que c'est jamais de la très bonne publicité pour les entreprises. Il y a un caractère un petit peu honteux de s'être fait pirater. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de retours. Mais en tout cas, il y a tout un tas de groupes plus ou moins liés à des États qui mènent ce genre d'attaque aujourd'hui dans le monde. Et ils le font à plein temps. Donc, c'est sûr qu'il y a énormément d'entreprises qui sont ciblées. Alors, le cas le plus connu, c'est le centre d'enrichissement en uranium en Iran, qui avait été visé par un exploit, par un virus qui était quand même très, très sophistiqué, dans le but de ralentir le programme nucléaire iranien. C'est plutôt sympathique, ça. Ça dépend de quel côté tu es. Mais, je veux dire, vraiment, là, c'était quelque chose de très, très, très ciblé, ouais. Avec des moyens considérables mis derrière. Et ça, c'est un cas, je veux dire, avéré, réel. On a toute l'historique de cette attaque. Donc, on sait que ça existe. T'as le cas de Sony plus récemment également, hein, Vincent, qui avait été dramatique pour Sony. Hein. Le cas de Sony qui a été difficile à gérer par Sony, mais ça reste plus flou. On a moins d'informations sur la façon dont les gens sont rentrés et véritablement l'étendue, en fait, des dégâts chez Sony. Corben, en Iran, on a quand même toutes les infos et c'est très intéressant de voir le niveau de sophistication qui n'est pas à la portée de n'importe qui. Et souvent, non seulement les entreprises ne les bruitent pas, et parfois Corben, elle préfère tout simplement payer parce que c'est vraiment des données trop sensibles et on s'arrange comme on peut, c'est ça ? Alors les entreprises les bruitent pas, oui, effectivement. Alors maintenant, ça va changer parce que il y a des lois qui sont en train de passer pour obliger les entreprises à le dire quand il y a des données personnelles de leurs clients qui ont été piratées, quoi, qui se retrouvent dans la nature. Sinon, ça va leur coûter cher avec des grosses amendes, etc. Donc elles vont être obligées, elles vont être contraintes de le faire. Mais effectivement, en termes de communication, c'est un peu difficile, hein, parce que voilà, faut expliquer à ses clients qu'on n'a pas été assez rigoureux et que on a pris peut-être un peu la sécurité par-dessus la jambe, hein, parce que souvent c'est pour des choses un peu ridicules entre guillemets, hein, sauf dans le cas, comme le disait Vincent, d'attaques vraiment très ciblées, montées par des gouvernements, des États.
voilà, sur des entreprises bien précises. Mais la plupart du temps, c'est sur des trucs assez cons. Le mot de passe pas changé, des failles, en fait, des choses un peu. Ou le post-it sur l'écran de l'ordinateur avec le code du Wi-Fi et le code de la session. Combien derrière toi ? C'est un grand classique. Mais non, derrière moi, il n'y a pas. On boucle la boucle, Gonzague, on revient à l'actualité. On parlait de Sony un instant. Il y a un autre grand acteur d'Hollywood qui a été victime d'une attaque. C'est très drôle. Enfin, pas pour eux, ouais. Mais c'est quand même Pirates des Caraïbes qui s'est fait pirater. Ouais. Donc, bon. excuse-moi du peu, Walt Disney ne fait pas le malin. Ouais. Et en fait, les pirates ont demandé une rançon à Disney en disant si vous ne la donnez pas, on diffuse le film massivement sur Internet. Ouais. Il faut savoir que les choses se font régulièrement pirater comme ça. Hein, des épisodes de séries de Netflix aussi qui ont été. Orange is the New Black, voilà, notamment. Qui a été diffusé. Récemment. Ça arrive régulièrement. C'est moins catastrophique que quand Sony s'est fait avoir. Et alors, Pour conclure. Et en parlant de cibler les entreprises de façon très précise, ce que j'invite tout un chacun à faire, et surtout les gens qui sont responsables des systèmes d'information d'entreprise, c'est aller lire sur le net, parce qu'il y a plein de hackers qui expliquent comment ils sont entrés dans un système d'information et comment ils ont cheminé d'un système à l'autre, ce qui permet de comprendre où on a des vulnérabilités, en tout cas à certains types d'attaques, évidemment. Ça ne protège pas de tout, mais ça permet de prendre un peu de recul sur sa propre installation. Oui, quand même. Je prêche aussi un peu pour ma paroisse. Ouais. Désolé, hein, ça va être le moment un peu pub, mais... Autopromo, vas-y. Pour les boîtes, il y a plein d'outils qui existent. Hein. Il y a des outils, il y a la possibilité de faire des audits avec des boîtes qui font de la sécu. Et puis, il y a aussi le Bug Bounty, comme je disais au début de l'émission, qui permet justement en fait, de rentrer en contact avec une communauté via une plateforme pour pouvoir avoir connaissance de ces failles. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des vrais chercheurs en sécurité, hein, des gens qui sont passionnés de ça, qui vont se pencher sur les sites web des boîtes, qui vont passer du temps et qui vont trouver éventuellement des failles de sécurité et les sociétés... Vont pouvoir corriger ensuite. Ce qui est bien en fait dans un environnement de type agile en fait, parce que maintenant, enfin avant on développait, on passait en prod et basta. Maintenant la plupart des sites web, la plupart des applications, des web services, tout ce qu'on met en ligne, ça s'inscrit dans des process de développement agile, c'est-à-dire que les développeurs ajoutent sans cesse des nouvelles fonctionnalités, vont mettre à jour, vont faire plein de modifications, et ces modifications elles ne sont pas forcément prises en compte en termes de sécurité avant le prochain audit. Donc, pour combler un peu ces espaces entre les audits à un instant T, le Bug Bounty, c'est aussi une solution parce que ça permet d'avoir un espèce d'audit H24, 7 jours sur 7. Accéléré. Accéléré de son système. Voilà. Ah, donc, allez voir Yes We Hack et la Bounty Factory, chère à Corben. Je pense que vous allez apprendre plein de choses et ça va vous rendre quelques services assurément. On va changer complètement de domaine, si vous êtes d'accord, à présent, en passant à vos coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence par Corben. Moi j'allais rester sur la thématique du ransomware. Hein. Vincent l'a évoqué très rapidement tout à l'heure, mais c'est un site web qui s'appelle No More Ransom, qui en fait est un site qui donne justement des conseils sur tout ce qu'on vient de dire, qui donne des outils de déchiffrement. Si vous avez été infecté avec un ransomware un peu plus ancien que WannaCry et vous avez gardé votre disque dur, il y a des outils qui sont mis en ligne. Enfin, c'est vraiment, on va dire, la plateforme centrale pour tout ce qui est ransomware, et on trouve tout surtout là-dessus. Et voilà, c'est un site à surveiller, surtout si vous avez été impacté par ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'est le... Mais j'étais resté dans la thématique. Voilà. J'avais pas de... Merci, Corben. Vincent, il a eu trop de travail cette semaine, donc il n'a pas de coup de cœur. Ton côté, Gonzague. Moi, j'ai 3 coups de cœur. Donc ouais. je vais prendre ton temps, on a du temps. Je vais faire du coup de cœur de Vincent à sa place. Fais ton rendez-vous. Le site shodan.io, shodan.io, c'est un site qui recense, en fait, qui fait des analyses de tout ce qui est à des IP publics sur Internet en permanence pour voir tous les ports ouverts, les services, et que les gens peuvent utiliser pour voir ce qu'eux-mêmes exposent à Internet, s'ils ont un serveur dédié, s'ils ont une connexion Internet au bureau et sur laquelle ils ont ouvert des choses. Voir qu'est-ce que quelqu'un qui n'est pas chez soi peut voir. Et on peut faire des recherches par pays, par service, par version du logiciel, etc. C'est très, très complet. Donc, bon, ça, c'est un peu technique. Corben a parlé d'un logiciel anti-ransomware pour Mac. Eh bien, Malwarebytes, qui est connu pour éliminer les malwares, a aussi sorti Malwarebytes anti-ransomware pour Windows, qui est gratuit. Et un troisième truc, parce qu'il faut protéger vos données et faire des sauvegardes. Alors, si vous êtes sur Windows... Il y a le logiciel Vim Endpoint Backup qui est gratuit, qui permet de faire des backups sur disque USB et de les éjecter à la fin de la sauvegarde. Comme ça, le jour où vous avez un ransomware dans la gueule, et bien vous ne perdez pas toutes vos données.
car le pont est coupé, le lien est coupé avec le disque dur externe. Voilà qui est complet. Merci, il a bien travaillé, Gonzague. Mon côté, aucun rapport avec, avec le secteur de la sécurité, c'est que du plaisir. Mais regardez, qu'est-ce que c'est ça, d'après toi, Gonzague? Regarde. Je sais ce que c'est, donc je... Voilà, alors regarde, il y a des antennes d'un côté. On dirait une borne Wi-Fi. Ouais, et puis de l'autre, il y a des petits borniers, des entrées toasting. Alors, c'est du bon matos. Hein. C'est nos amis de chez MTX, de chez Cartel France qui font ça, MTX Audio. C'est le dernier ampli AirPlay avec un ampli 50 watts. C'est vraiment conçu pour faire du multi-room avec du AirPlay ou avec du DLNA, si tu es plutôt DLNA. L'intérêt, c'est que tu peux brancher directement tes enceintes préférées dessus. Donc, tu mets ce que tu veux. Tu peux mettre jusqu'à 4 enceintes. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'en matière de puissance, bon, 2x50 watts, ça arrache un petit peu. Et tu peux diffuser de la musique HD. Oui, 24 bits, 96 kHz. Tu fonds pour le marketing. Non, parce que moi, j'ai vraiment écouté cette semaine, parce que je me suis intéressé à cet engin. Je me suis dit, bon, OK, ils sont gentils, on va écouter. Et j'ai comparé à Sonos. Et quand tu utilises un service que tu connais bien comme Qobuz, par rapport à Apple Music, tu passes à une musique qualité FLAC sur Qobuz et que tu diffuses là-dessus, c'est vraiment le jour et la nuit. J'ai été vraiment épaté de la qualité de diffusion de son de cet engin. On peut brancher une télé, on peut brancher en numérique, on peut brancher aussi du RCA si vous avez une source analogique. Ou carrément un CD. L'idée, hein, c'est pas vraiment très esthétique, c'est de le cacher. Hein, si tu le mets dans un meuble et tu le mets... Je pense pas que tu aies envie de le montrer. Oui. Non. Ou tu le mets dans un plafonnier ou carrément dans une cloison. Et tu as un petit répétiteur infrarouge que tu caches également au sommet et qui permet de le piloter à distance. Mais la qualité du son est vraiment épatante. Donc, ça s'appelle le MTX-I IWA 250, à vos souhaits. C'est super simple. Ouais, et ça vaut autour des 300 euros. Et c'est du full AirPlay. C'est les gens de chez Cartel France qui font ça. Et alors, j'ai deux questions. Oui. C'est vendu avec une télécommande? Oui, bien sûr. Et deuxième, il n'y a pas de port Ethernet? Il n'y a pas de port Ethernet, c'est du full Wi-Fi. Ah oui, dommage. Oui, mais ça te fait du tirer un câble, mais ça marche assez bien. Ça marche assez bien. Autre coup de cœur, on les aime beaucoup dans cette émission, on les suit depuis des années. C'est nos amis de chez Elgato. Elgato, vous vous souvenez, c'était la boîte qui faisait, entre autres, les solutions de tuner TNT pour Mac. Et puis après, ils sont passés aux objets connectés avec les solutions dev. Et puis, ils se spécialisent depuis quelques années maintenant dans le gaming, dans l'e-gaming, hein, l'e-sport notamment, la possibilité d'enregistrer ces parties via un petit boîtier qu'on branche sur le Mac pour pouvoir les diffuser sur YouTube. Et là, ils vont plus loin avec une petite solution qui s'appelle le Stream Deck. C'est une mini-régie, regardez, c'est une petite télécommande avec des petits boutons qu'on peut programmer. Et ça vous permet, par exemple, de jouer et en même temps diffuser des outils, de diffuser des adresses Twitter, de diffuser des sons, de faire sa petite télé à la maison avec son petit Mac, son petit PC. C'est assez épatant. Moi, j'aime beaucoup. Il y a vraiment un créneau là-dessus. Et puis, notre réalisateur qui a trouvé ça génial, l'a carrément fauché. Il l'utilise ce soir, plutôt que d'utiliser le clavier de son Mac pour réaliser l'émission. Et ça marche super bien. On vous diffusera quelques images. Ça ne coûte que 99 euros, même le prix Ferrari. Hein. Vraiment, une télé à la maison pour 99 euros. C'était épatant. Ça s'appelle le Stream Deck d'Elgato. Voilà, nous sommes arrivés au 251e épisode de Refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez Gonzague presque chaque semaine dans cette émission. Hein, on essaiera de revenir la semaine prochaine, on va faire peut-être un bilan de Google I.O. Tu es d'accord? Si je suis disponible, avec plaisir. Oui. On verra s'il y a des choses à dire, sinon aussi. On changera de sujet. Vincent, Corben, vous revenez quand vous voulez. Merci d'avoir participé à cette émission, c'était très clair pour nous, on a appris plein de choses ce soir. Merci beaucoup. Bon, cool. Bon, et puis si on a des soucis chez OVH, je sais qui appeler maintenant. Merci beaucoup, mais on n'a jamais de soucis avec OVH, c'est parfait. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous, on essaiera de parler de Google I.O., voire peut-être un petit peu de l'iPhone 8, on ne sait pas quoi. On verra beaucoup de rumeurs autour de l'iPhone 8. Et puis n'oubliez pas, dans 15 jours, 3 semaines, il y a le live en direct sur On refait le Mac. On vous rappelle l'adresse pour, si vous voulez assister à l'émission avec nous, avec l'écran géant, dans le public de 42, contact@onrefaitlemac.com, tout simplement, je pense. Voilà, à la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité. Au revoir.